Et puis l'endémisme de Lémuria à Madagascar, ça s'explique par la présence des barrières naturelles, qui est la mer. Madagascar, c'est une île. Et leur apparition s'est faite après la dérive des continents. Madagascar est un morceau détaché de l'Afrique. Et c'est juste après la séparation qu'ils faisaient leur apparition des Lémuriens. Voilà. Certaines espèces nocturnes, la queue, c'est aussi un organe de stockage de graisse pour l'hibernation. Il y a des espèces qui hibernent. Le nom kérogal vient du mot kérogaleus. Voilà. Kéros, ça signifie main. Et Galius cale. En fait, ils ont les mains caleuses. Quand les lémuriens sont nouveaux, on les garde dans cette cage le temps qu'ils se réadaptent à la vie sauvage. Donc, on les garde un peu dans la cage. 4-5 semaines. La plupart des lémuriens qu'on a dans la réserve, ont été trouvés chez les particuliers. Celui-là, danseur de Coquerel, c'est ça le nom. Voilà, Charles Coquerel, c'est un naturaliste français qui a décrit pour la première fois cette espèce. C'est la seule espèce qui peut avoir deux, trois nouveau-nés en même temps, le noir et blanc là-haut. Ah oui? Puis la femelle, elle prépare un nid parce qu'elle n'arrive pas à les gérer. Il me semble que les nids sont là, les petits sont là. Là, on a vu trois différentes espèces. On a vu la première, il y a la tête toute noire, tout ça, et le noir et blanc là-haut. Hello. Ils ont pas, il n'y en a pas certaines qui sont où ils se battent ou des choses comme ça. Non, non, non. Entre comme ça, il y a deux différentes espèces qui partagent le même pays. Il a la posture humaine. Mama, c'est mon chapeau, c'est l'aide.
comprends? Je pense que on va voir par là-bas, parce que là-bas on le voit très bien. Allez, voilà, il a bougé, tu l'as vu? Ouais. Wow. Le plus gros lémurien de Madagascar. Oui. Il vit en groupe familial entre 2 à 5 individus. Okay. Il vit à peu près à 45 ans. Et le chef de la famille, c'est la femelle. Oui. L'indri aussi, végétarien, il mange de jeunes pousses de feuilles, entre 2 à 3 kg de feuilles par jour. Il ne boive jamais de l'eau, que de l'eau de la feuille. Mm-hmm. Et l'indri, c'est un lémurien monogame et strictement fidèle. Et il a 3 cris différents, la cri de communication, cri d'alarme et cri d'alerte. Et l'indri, ils font leur cri d'alarme quand ils ont trouvé leur prédateur. Mmh. Leur prédateur, c'est le fouchat. C'est un gros chat sauvage qui attaque leurs petits et qui attaque aussi les gros lémuriens. Ah oui, il va venir le soleil. Hein? Ça, c'est un mâle, une femelle. Ça, c'est un mâle. Ça. Oh, c'est du femelle. Là. Donc il avait des fleurs en mois de novembre et on attend 6 mois pour la récoltage. Oui. Et après on cesse pendant 3 mois. 3 mois. Et là ils connaissent que là c'est en route pour... Ça c'est les noirs et blancs. Oui. Ça... Et les hybrides, hein, ouais. Justement. Donc le mâle, c'est tout noir. Hein. Il faut voir ça. Thank you.
Maria Barene Hona Salam Yeza Wanare Ulungu Yab Abia Buine Zutana Taza. Avietu za yenza waba Mananza utalili, mananza usafiri Mananza ambara, wanareo na imanzene ako. Ande hazaye zawene, ande hazaye zawaba.